Salut à tous pour ce deuxième épisode de Dishonored 2. J'aimerais vous montrer maintenant une énigme, un passage assez compliqué qui se passe en fait dans le manoir mécanique et qui est la quatrième mission et où il s'agit en fait d'éliminer Kirin Jindosh sans enfin on peut le tuer justement ou l'éliminer avec la machine à électrochoc. Donc là je vous montre directement en fait comment on peut arriver au résultat avec grâce à ce tableau. Vous verrez après, je vous montrerai le reste. Et en fait on nous dit qu'il y a Total Power Available 11, mais on a aussi les Current Power Needs, comme on peut lire dans le titre, c'est à dire les besoins actuels de courant en fait. Et on peut lire par exemple Anatomy 1, Optique 3, Chimie 4, Weaponry Armement 6, Electrochocs qui nous intéresse 7, et Woodcraft, donc une fabrication à base de bois, 5. Donc on a 11 au maximum qu'on peut utiliser, mais pour utiliser l'électrochoc, il faut arriver au nombre 7, c'est tout en fait. Donc on va retrancher de 11, 4 points pour arriver à 7. Et en faisant ceci, la seule combinaison possible, c'est de prendre Optics et Anatomy. Et en prenant ces deux options, vous avez bien 11 moins 3 moins 1, ce qui fait 7 électrochocs, la valeur de l'électrochoc. Et ça va marcher. Si vous faites toute autre combinaison, ça va pas marcher. Donc voilà pour ce qui est de l'aspect guillemets théorique. Alors nous voici maintenant directement sur la console. Je vais peser sur Anatomy pour la première B, c'est égal hein. Dans quel ordre finalement on fait les choses, si on fait plutôt B2 ou B1. Voilà, le décor se met en place. C'est assez long, je dois dire. C'est un mécanisme assez poussé. Voilà. Donc là, ben là ça indique bien une barre. Ok, on va au suivant. Là, on va peser sur Optics. Là, je vais vous passer la mécanique parce que c'est un peu long. Et voilà, on a donc nos 7 barres d'énergie qui vont nous servir à alimenter la machine à électrochoc. Et on va, je sais pas comment dire ça, lobotomiser, je pense. On va le lobotomiser et il sera plus en danger, et donc on aura fait ceci sans verser de sang. Oh non, 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 vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Je suis prêt à vous donner tout ce que vous voulez. Tout. Non, ne faites pas ça. Imaginez tout ce qui sera perdu. Des siècles de progrès. Non, non. On ne peut pas laisser quelqu'un comme toi en liberté. Et si je fais couler de l'acide sur une plaque en cuivre, qu'est-ce que ça donne ? Je le savais, tout à l'heure. Quelqu'un connaît la réponse ?